Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Lelo, troisième jour de la conférence, le fer aiguise le fer. Topamboli Nzambe pour répondre à l'invitation à Moussel Nzambe, l'ambassadeur de Samuel. Papa, l'obéli Lelo, n'a deux points, mais bas sous-points, Zébélé. À l'obéli, nous sommes en guerre. N'a deuxième point, n'a eu à troisième jour, à l'obéli, garde-toi en feu continuellement. Il y avait d'autres sous-points, Ezala Kiwana. Pour Nayo, étant qu'homme de Dieu, au bandana nous copie sa biso combo, après au retenir nini de la part de l'homme de Dieu. Combo nanga apporte Lubaki, nazo kamba église évangélique la foi et miracle, na commune ya Kisensu. Na wuti na commune ya Kisensu, on a kuya na oisika kolanda enseignement, na landa ki communiquer na télévision. La télévision de papa bandai koloba. Nayoki la pesa ki surtout message moko concerner kinga vraiment. Abi yo mutozo landanga kozangate. Nazo s'adresser nayo parce que nzamba zana makambe bele a lobela yo. Bongo na kolanda ba message au papa lobeli boye, alobi poto garder fe wana. E sengeli na biso tozo la bato ya prière. E loko moko tozo remarquer na biso basali ya nzambe. Tozo kipe mingi lelo matériel. Vie de prière vraiment exacte. Et là, on a entendu vraiment au papa l'indicinga parce que les années passées, papa ndenga bande côté, ndenga lobeli mikolo oyo. Donc, au moni a zongi si biso vraiment ndenge ezale la kafrima. Amen. Mais tout ça, base sur la prière et sur la spiritualité. Parce que les autres os, ça basé mi na makambo eza yanzoto. Mais mon limo vraiment ikitaki. Mais les lots pena tata memi biso sur la dimension, pena memi biso na connaissance moko très profond ko le kabane et le kaki. Donc il y a vraiment na pamboli nzambe vraiment et l'équipe nza malamu vraiment. Mais na monio o lekili boso l'homme de Dieu Atio Maboko et na linga ina yeba et lo ni ne pousser o lekali boso po Atio Maboko. Et lo ke pousser nga na tongo le lote na olamuka. Na sentir net ba betinga flash a. Malamona obiete nzambe ya dayo na okende conférence na cheboye na senti douleur wana ezali susuti. Donc si je te comprends mieux, oyaki na douleur lelo troisième jour ya conférence les fer aiguise les fer. Donc olekaki liboso po mosali ya nzambe comme il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et vous serez guéri. Donc yo yaki na titi diwana soki mosali ya nzamba touché kanga na robika et puis une guérison directement. Guérison libela libela. Et ça babilo musungu ta lobaki tokolo bango na TV boyete. Oh ya lobaki na voye na télévision na Hollande ya lobi yo a lobi na nga détaillé pe na détaillé na tel oui et ça ngai. Et sengi na sani na ya. Yango moni na leki. Pour confirmer le message de Tata Lobaki par l'imposition de main, parce que vous avez dit 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 que vous. Merci homme de Dieu, merci beaucoup. Bien-aimé Balandia, ça marche télévision, touti kozwa témoignage instantané na troisième jour ya conférence le fer aiguise le fer. Homme de Dieu, ayaki na douleur na panzi na ye, azala ki na espoir lokola yebi ke lelo za troisième jour ya conférence. Ce qui homme de Dieu a simbié, quelque chose va se passer. Quand on a la Bible lobby, et ça la melayo, le lenge on demé. Bonjour homme de Dieu. Bonjour papa journaliste. Où tu vas puis Kombonani, ce qui église Pézali, au Pesabiso adresse, bah Landia Samanche Télévision, Bazo Landayo. Je suis le docteur Sambou Kassa. Ministère Nangezali sur l'avenue Ikelemba, numéro 33, la commune Yakasavou. Le lot troisième jour de la conférence, au retenir Nini, qui s'est décidé à pratiquer en gros, le troisième jour de la conférence, le faire et guise le faire. Ok, papa Nabiso, Ate Ibiso, Mate Amoro Oezali, très général et très important, surtout pour la banane Nzambe Nyonso,
et pour na biso basali na nzambe papa depuis bandeli kaka lelo te depuis bandeli papa touché ba point ebele lelo a touché point moko oyozo ko touché nga beaucoup plus en qualité de serviteur de Dieu alobi il faudrait ko réanimer il faut ko zala ivre kozala ivre na nguya ya moli mosantu à travers sa parole puis alobi loko moko il faudrait ko réanimer moto ya moli mosantu na olinga na fungo la parenthèse moko esengeli bana nzambe pe biso ba serviteur de Dieu toye bake na mokili oyo bible lobi que kaka ne na jeunesse bandele zalaki ezaki molili ezaki na kata mokili pe romain alobi lisusu ke mokili oza ko souffrir parce que nguya ya molili neza ko faire souffrir bato na romain 12 mais soki biso tolingi to régner awa esengeli bible lobi que la terre attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit domination ya mwinda, na domination ya nguya, moto wana, ya ngone domination. Nenge tozali abzo basa na nzambe, tozana batu oyo bazana ba dimension ya ba gloire moko élevé. Neti papa na biso aza mutu nzamba bio mabiso de gloire en gloire. Ezana batu o bazana ba dimension ba gloire élevé. Biso ba biso o tozana niveau na senaye, nous sommes obligés à chaque moment ya ko kende pemeni na ye lokola ba vase communicant pour que a communiquer biso pour que biso peto sanini to évoluer nde bongo ba évoluer ka en tout cas na makambu ya nzambe na lingai na tuna na moni o lekili boso homme de Dieu a tio liboko ozaki na désir moko bandai kozela de la part de l'ambassadeur du Christ de Samuel to ozaki na mwali kamoko particulier o lingaki intervention moko surnaturel. Ok, ngapena nayaki avec un très grand désir. Nayaki pena avec un très grand désir parce que nganaye conférence avec révélation. Avec révélation de l'homme de Dieu. Je suis conscient de ce qu'il porte. Alors nayaki awa na conférence oyo pour être les Élysée du grand Élie. Donc pour nangai yaza Élie et nganaza Élysée. Nayaki penza pour que l'esprit de Dayo Samuel écoute na kati nanga. Vous savez tant que esprit ya Eli écoute na kati ya Élysée, la Bible dit que ba fils de prophète o batikala ki ngambo mususu bazayi ko boudeye ba reconnaître ba te babi effectivement l'esprit de Eli est en Élysée. Et bangu mama ki pourquoi ba lobi bongo? Parce que c'était pour un objet de espoir et un objet de consolation. On a plus le droit de pleurer Eli qui est parti. Nous avons la réserve qui est venue. Na ministère nanga toza na baka. Et ça n'a pas qu'à monsieur Zaro compliqué battre. Tout ça n'a pas ça au azali colo. Attique la biseau manteau. Pour n'a qu'au solutionner ma problème et qu'en demandant au Jésus Christ toi zozonga. Et c'est n'est-ce pas mignolo le satana et katana. Et bien là, il y a un problème parce que le problème est que les gens ont été en train de se faire. Et pourtant, les gens ont été en train de se faire. Et les gens ont été en train de se faire. Et les gens ont été en train de se faire. Tant que les gens ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé Balandia Samaos Télévision, troisième jour et dernier jour, il y a les fers, aiguise les fers, maman, s'il vous plaît. Troisième jour, il y a les fers, aiguise les fers, et dernier jour, toye, ma servante de Dieu, ma homme de Dieu, ma yé kozoa, o ezala ki posa ya motema na bango, ma yé ko yo kanzambe. Au travers son serviteur, l'ambassadeur du Christ, Dayo Samuel Balogun. Bonjour. Bonjour, papa. Non, vous venez d'où d'abord? Et votre église, c'est où? My name is Jolita. They call me Woman of God. I stay in Botswana. Botswana, I worship to the church where it's called the Way of Holiness Church. I am a woman of God there, I preach and I do intercession that side. Tu viens de Botswana, vous venez de Botswana. Aujourd'hui nous sommes à la troisième jour de conférence. Qu'est-ce que vous avez retenu de la part de l'homme de Dieu? What I can say, it is very important what the man of God said about the spirituality. You know, the reality of a woman or a human being is in the spirit. People and women and men of God, they must return today
The word of God is a spirit. Everything we do is a spirit. If we want to see the miracle and the everything to happen, it is in the spirit. So it is very important to make us to be awake through the word of God, and also to use the prayer as a key to open the spirit of God in us, so we cannot fall. That is the key number one. Merci la servante de l'Éternel, mais je vous ai vu, vous avez passé devant pour que l'homme de Dieu vous impose la main. Et puis, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez parti chercher devant la chair de l'homme de Dieu? The Bible says, iron, iron, iron. I mean, he is the man of God. I know him through the YouTube and my younger sister. I follow his ministry. I'm the follower. So some of the word of God, what I preach, I take from this church also. But what I go to do there, I was praying many times. Last year I came here, I did not have opportunity to the man of God to lay hands on me. I wanted what is carrying the gift of the prophecy and the gift of the word of God to come upon me. So I was seeking that. I believe that spirit is in him. He can come upon me. That's what I come to humble myself, to tell God to use him to anoint me so I can also go to work in his garden. Si vous avez quelques messages à dire directement, l'homme de Dieu vous suit. What can I say? Good morning, Papa Dayo. I love your ministry and I love what you are doing to the people of Congo. Yes, let me repeat. People might not know who you are, and they suppose not us all not to know. But you are doing a great job here in DRC, Republic Democratic of Congo. Me, I discovered that. I know you through my younger sister, Louise. I stay in Botswana. He gave me your name. I set you in YouTube. And the message you preach is equivalent to the message of the man of God who died a long time ago. The man of God, when I go to visit Prophet TB Joshua, you have that spirit on him. And you also come to impact people here. Thank you for the wife you are having, and you continue to bless us. Father, Papa, I am telling you, I wanted to see you one of one, because me too, I am in Botswana. God give me the ministry to go to work. I am under Apostle Lakimo Rapedi. But me, the God give me the vision to preach in English. I'm not educated like other people. When I stand in front of people preaching, I preach my word come from God. So when you preach here, trying to speak in French, people don't understand, they laugh at you. Me, I'm behind you because I know the spirit is behind you, is the one you are impacting to people, not the French. God bless you. Continue to that, and many Congolese, they're going to bless. They will know you. Don't be afraid of the war. Like you preach us today, spiritual war is constant, but we win by the blood of Jesus. Stay blessed. Love you. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Papa. Bien-aimé Balandia Samarche Télévision, nous recevons, nous sommes honorés de recevoir pour vous les hommes de Dieu, des vaillantes femmes de feu. Vraiment, nous sommes très très contents. Bino Batubozo, Landa Bisso, na Brazzaville, na Bakongo, tous les provinces et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, nous sommes très très heureux. Nous continuons avec notre tranche d'animation. Troisième jour, le fer aiguise les fers. Nous obéga basali nzambe ba est tellement ébélé ba répondre favorablement à l'invitation à l'homme de Dieu. Dernier jour, il y a le fer aiguise le fer. L'ambassadeur du Christ a parlé sur les deux points. Le premier point, il a dit pour la troisième jour, il a dit nous sommes en guerre. Sache-le, étant que homme spirituel, étant que prophète, étant que docteur, étant que pasteur, nous sommes en guerre spirituelle. Le ministère de gens comme nous dépeuplons les camps de l'ennemi. Nous sommes d'office en guerre contre
le monde des ténèbres. Alors, ce ministère, bien-aimé, il ne faut pas qu'on soit dans la distraction. Parce qu'il a donné l'exemple de Paul qui parlait à Timothée comme un soldat. Il ne faut pas être distrait parce qu'un soldat, quand il est distrait, il va tomber sous les bras de l'ennemi. Et en tant que soldat de l'armée de l'Éternel, sortons dans la distraction parce que la guerre est imminente, surtout que nous sommes dans les derniers jours. Merci, homme de Dieu. Et son dernier point, il y a beaucoup de sous-points. Il a dit, garde-toi en fait continuellement. Il a donné des sous-points de prière, des paroles révélatrices. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Ah, là, j'ai béni Dieu. J'ai vraiment béni Dieu pour ces points merveilleux. Et j'ai remarqué, c'est la grâce de l'homme de Dieu, qui est l'un des généraux que Dieu nous a donné ici, dans le monde. Et cette grâce d'être enflammé par la parole de Dieu, là, ça m'a bouleversé. Parce qu'auparavant, je lisais la parole de Dieu facilement. Mais il nous a donné un secret. Bien-aimé, c'est une grâce d'avoir des généraux ou des pères qui vous donnent des secrets pour à quoi dans le ministère. Parce que nous voyons des généraux qui commencent bien mais qui finissent mal. Et là, il nous a donné les trois piliers pour garder l'impact ministériel, tel que fut le cas du Seigneur Jésus-Christ et les autres généraux dans la Bible. Là, j'ai aimé. Et sur ces points, la Bible, être enivrée par la parole de Dieu. C'est pour moi la première fois que je puisse écouter et saisir ces secrets, prier d'abord, et puis être en contact avec la parole de Dieu. L'homme de Dieu a donné des exemples latents, et cela m'a bouleversé, m'a affecté, et je crois que par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons reproduire les déclarations de l'homme de Dieu sur nos ministères. Merci vraiment, nous sommes honorés, homme de Dieu, merci beaucoup. Si vous pouvez rappeler aux téléspectateurs de Samas Télévision votre nom. Ah, moi c'est le pasteur Lolo. J'ai le ministère Actes du Saint-Esprit et puis je suis sous le mentorship de l'ambassadeur Samuel Dayo. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon frère.